Good morning YouTube. Today I will try the microphone adapter for the Insta360 1X2 camera. The camera I already tried in French, but we see the sound is not so amazing if you are far, if you have a wind. And now they sell a beautiful and amazing and expensive adapter that I buy. And I try all my microphone. Now we can see which one is better for you. Yes, this one can use on your Insta360 1X2. Like you can see, you will have one adapter for USB Type C, and you can put on the left jack 3.5, like if you have many microphones like that. And under, you also have another one, USB Type C, if you want to charge your camera in the same time you use jack microphone. Okay, directly I will tell you the price. The price is €16 or less than $20 on AliExpress. I will put the link in description. It's very expensive for what you will like, but you really need this one, so you don't have choice. And GoPro is maybe more expensive than this one. So I will tell you first, all the sound is French, but you can see the quality of the sound. Now I try the first one, is a microphone video mic from Rode, and this one sometimes works, sometimes no work. So I try to change with jack adapter for stereo to mono adapter, and sometimes works, sometimes no work. I don't know why with my phone I not have this problem, so I will not recommend this one for you. I have another one, microphone Rode Passive One, and this one never work with jack stereo, no work with jack mono stereo, no work, never work. So this one not buy. The one will work is the Rode Active One. You can put battery inside and you can setting in the back if you want add or delete many dB. This one you plug on camera, and this one work very good because all vloggers and YouTubers use this one on DSLR. So you can judge now. The video is in French, but you can see the sound quality. Bon, ça paraissait tellement évident qu'hier j'avais plus de batterie que ça allait tomber en rade. Bon, là du coup je suis à bout de bras. Donc là on est pas mal, on est avec le micro Rode actif, et là forcément avec le micro Rode actif ça devrait être quand même plutôt pas mal. Et je pense que même si on se met loin comme ça, par exemple à bout de bras, là tu n'as pas de bagnole, je vais me faire renverser, même si on est loin comme ça à bout de bras, le fait que le micro soit actif et tout, ça devrait être quand même plutôt pas mal. Hein, vu que tous les gros youtubeurs ils ont ça comme micro, tous les gros vlogueurs du moins, ça devrait être quand même plutôt pas mal. Après le problème voilà, c'est que c'est directif. Donc du coup, à moins de se tourner comme ça, c'est vrai qu'à moins de toujours regarder la caméra comme ça, et puis de faire des plans ici, et puis par exemple, de tourner comme ça, ça peut faire la blague à mon avis, et je pense que le son devrait être très bon. Enfin, lors de mes premiers tests, c'était déjà pas mal. Voilà. Bon, je pense que là, on aura tout essayé, maintenant je peux rentrer. Il y a un petit peu de vent en plus. Je sais pas si tu sens, il y a un peu de vent là-haut, regarde. Si je me mets là, ça permettra de juger un peu. Regarde, là, il y a du vent quand même, de ouf. Ça devrait être pas mal, voilà. Je vais remettre ça, personne ne me regarde, ça ne fait pas l'air d'un fou. J'étais un peu en catimini, le cas de le dire. On se remet comme ça devant. Non, là, on est super bien. Là, je sais que c'est... Là, allez, on va regarder ça. Long time ago, I buy another microphone with jack and two stereo microphone. It's very cheaper. It's not high quality, but you will have stereo. If you want put up and down, or if you want use front and back, or like a Dolby Atmos on your camera, you can use this one. It's very easy to clips, and maybe you will think it's better because you have a wind protection. Alors maintenant, on va tester ce petit micro que j'avais acheté sur AliExpress avec une prise jack et une espèce de pseudo stéréo sur le côté et tout. Bon, lors de mes essais, j'ai bien vu que c'était pas aussi bien parce que c'est loin et tout. Bon, même si je mets un peu comme ça, vous voyez, orienté vers moi, ça permet d'avoir peut-être une pseudo stéréo entre ce que j'enregistre moi à l'avant avec ma voix et puis de l'autre côté derrière, comme ça, si tu veux faire des bruits un peu différents. Bon, le truc, c'est que dès que tu vas mettre un peu la caméra loin, même si on le tourne un peu, voilà, même si on met la caméra un peu loin, forcément, même si elle est mouflotte, anti-vent, et bah, l'espèce de petit coussinet, bon bah le son va pas être incroyable. À la hauteur du prix du machin, est-ce que ça sera mieux que ceux d'origine? Non, apparemment, enfin lors de mes essais que j'avais fait avant, non. Est-ce que ça pourrait être pas mal? Oui, parce qu'il y a les trucs anti-vent. Donc peut-être que quand il y a du vent, tu vois, si tu cours comme ça, peut-être que tu entendras un peu moins le vent, ou pas.
ou alors c'est de la merde. Dans ce cas, tu me diras, ah ben, c'est de la merde, voilà. Mais je te mettrai dans la description si jamais tu veux les acheter. Now we continue with another one microphone, the Sony microphone I have with my another one voice recorder. This one is stereo, left and right. You just plug in jack and you can use outside. And maybe this one is my best one. Voilà, là on va faire un essai avec un de mes micros préférés, qui est le micro Sony, un micro cravate qui était offert avec un enregistreur numérique. Avant, ils offraient les micros avec les enregistreurs numériques, parce que j'en ai racheté un nouveau, il n'y a pas de micro, hein, tu te démerdes. Alors là, encore une fois, bon, bah, c'est pas mal, c'est qu'il y a quand même un petit peu de câble, vous voyez, à hauteur de bras et tout. Bon, l'intérêt, c'est que le micro, il est ici, celui-là, il est stéréo, gauche-droite, il n'y a pas d'anti-vent. Alors, est-ce que tu peux en bricoler un? Oui, non, peut-être, mais tu peux mettre la caméra. Est-ce que tu peux après enrouler un petit peu autour, enrouler le câble un petit peu autour de la perche? Je regarde ce qu'on a. Ouais, on est pas mal, tu vois. On a quand même un petit peu de câble, ce qui permettrait éventuellement, tu vois, de... Après, chacun, vous voyez, l'idée, c'est de faire descendre le câble proprement avec soit des colsons, soit du scotch noir. Tu fais descendre le câble le long de la perche, comme ça, là, ici. Et en théorie, voilà, tu devrais même pas le voir, si je te le dis pas. Voilà. Et là, l'intérêt, c'est que c'est un micro canon. Alors, est-ce que... alors, je verrai avec le shell de montage, mais souvent, il faut rajouter un peu 5 ou 10 dB, hein. Au niveau de l'audio pour que ça soit qualitatif, mais tu vois, ça permet vraiment d'aller un peu jouer, de se faire un peu un mode selfie et d'avoir un son qui est tout le temps homogène, tu vois, qui ne changera jamais grâce au micro cravate. Donc c'est un de mes préférés parce que déjà il était dans la boîte. C'est du stéréo, c'est du Sony, je sais pas où ça s'achète, mais on va tester le Boya maintenant avec la mouflotte, qui est aussi celui que j'aime bien. Okay, we have another one with Boya brand. This one is just mono, but you will have a dead cat inside. If you have many one, you can use. The sound is mainly a little low, or maybe just because it's mono, so you can use with your software dual mono, and maybe you will up the sound. And this one is really not bad too, and very cheap. Bon, allez, là on est avec le Boya. Petit Boya, petite mouflotte. Normalement, il y a un chat mort dessus, donc là, il y a beaucoup de vent. Donc ça devrait... C'est le bon endroit en fait, presque, parce que c'était un peu le problème on avait vu de la caméra, c'est que dès qu'il y avait un peu de vent, ou dès qu'on mettait, par exemple, là on est vraiment court, hein, dès qu'on mettait un peu la caméra un peu loin comme ça, dès qu'il y avait du vent, ben, on n'entendait plus rien, et c'était quand même ultra désagréable. Donc là, l'intérêt, c'est que bon, le micro il est quand même juste à côté, donc déjà même si la caméra est loin, on devrait avoir un son qui est sympa. Et ensuite, le chat mort, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le mouflotte, chat mort, comme tu veux. Qui est ici devrait atténuer ces problèmes de vent. Alors, même si on les entend un peu, moyen, beaucoup, à la folie, ou pas du tout, forcément, mais ça permettra de juger un peu. Et je suis en train de me rendre compte que je voulais faire la vidéo aussi en anglais, et je ne l'ai pas faite. Mais enfin bon, je mettrai les rushs en français, et puis les mecs ils m'entendront pas. Ils font chier, hein. My best one is a Boya Active One because you have an electronic inside with battery where you can up the sound. You have many models, so this one is a very, very long cable if you want to use very, very far. But you have another one with short cable. But with battery, with active, the sound is very good quality and I think you will like. Bon, et enfin, pour finir, on finira avec le Boya. Le top du top de la crème, hein, par rapport à son prix, encore une fois. C'est un micro-cravate, d'accord? Ensuite, dedans, il y a un module qui est là, qui est un module qui permet d'avoir un amplificateur dedans. Et donc, du coup, c'est un micro qui est actif. En plus, celui-là, moi, j'avais pris, il y a 3 mètres de câble. Hein. Je sais pas, tu vas voir, je vais te faire voir un peu ici, là, regarde. Il y a 3 mètres de câble, ça veut dire que... Alors là, tu vas pouvoir l'entortiller autour de la caméra et le mettre... Juste ultra loin, puisque le module, tu le mets là, t'oublie pas de mettre sur on, parce que si tu mets sur... Ouais, je sais, t'as entendu que tu m'entendais plus. Enfin, t'as pas entendu que tu m'entendais plus, mais bon, c'était le but. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que tu peux mettre le module dans ta poche, et que la caméra, tu vas pouvoir la mettre ultra, 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 ultra loin, et que le micro, bah, comme il est actif, eh ben, le son, tout de suite, il est amplifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas passif, c'est-à-dire qu'on ne prend pas juste le son, il remonte le câble et on met dans la caméra, il est pris, il est amplifié, il est ramené vers la caméra. Donc, tu vas pouvoir mettre la caméra ultra loin. Et ça c'est génial. Alors après, tu vois, encore une fois, tu mets le câble, on mettra le câble autour de,
Là, tu mets le câble autour du machin, là, du bousin, comme ça, Agnès. Voilà, tu mets là comme ça, et donc du coup tu reprends ta caméra. Et ben ça donne tout de suite beaucoup beaucoup plus de possibilités. Alors, bon gré mal gré, c'est que il faut pas oublier qu'il est actif. Donc il y a des piles dedans et qu'il faudra faire attention que les piles soient fonctionnelles. Puisque si les piles sont HS, l'appareil te dira pas les piles sont HS et tu vas rien enregistrer. La différence d'un passif où là ça enregistrera tout le temps et tout. Et c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire avec ça, c'est que sur la DJI, le vue-mètre, il bougeait. Ça veut dire que quand le vue-mètre bougeait, tu voyais bien qu'il y avait un enregistrement de son. Voilà. Donc il y avait et le logo qui bougeait. Donc c'était quand même super intéressant. Là, le logo bouge pas. Donc il dit juste qu'il reconnaît une prise jack. Et souvent, il reconnaît, ça marche pas. Voilà. Bon, là, c'est le dernier et c'est quasiment le mode love, le coup de cœur et tout, de tout ça. Mais c'est pas le moins cher non plus. C'est pas le plus pratique, encore une fois, il y a une pile dedans et bon gré mal gré. Par contre, il y a 1 mètre de câble et tu vas pouvoir l'enrouler autour. Et ça, c'est quand même génial puisque tu vois, tu mets comme ça. Bon, là, j'ai pris la petite perche hein, parce qu'on a également la longue perche. Tu prends la longue perche, tu te balades un peu comme ça, tu vois, tu peux mettre après un peu loin et tout. Ça fait vraiment un côté où tu vois, on peut aller jusque derrière comme ça, devant, derrière, en haut, filmer les arbres, machin, et voilà. Et trucs et bidule et ça fonctionne très très bien. Voilà mes petits chats. Bon bah écoute, je pense qu'on a fini, on a fait tous les modèles. Il faut juste que j'ai acheté une batterie maintenant pour celui-là et que je refasse un essai peut-être ailleurs. And the last one is the headset, like if you work in a phone company. This one is very cheaper, very easy. The microphone is not amazing quality, but it's very cheaper and very easy to use. You put around your head, you have a microphone, you can put on your left, on your right. Maybe you can use with motorbike, in a helmet. Very easy to use, work very good, very cheaper. Ah, maybe you will like to. Bon, allez, on refait un essai. Donc là, du coup, on est avec la perche et le micro, ce que j'aime après, le micro casque direct assurance. Alors là, l'intérêt, c'est que la perche, tout de suite, on peut aller au maximum. Alors, il n'y a pas énormément de câbles, hein. Malheureusement. Est-ce qu'on peut mettre une rallonge? Alors là, ce qui est bien avec le micro, j'ai déjà vu tout à l'heure, c'est que comme le micro, il est directement à côté de la bouche, on peut le mettre comme ça et tout. Bon, du coup, là, le son est Pepe Garcia. Je veux dire, voilà, là, en théorie, il y a la mouflotte, ça devrait atténuer un petit peu le son. Là, on est bien. J'ai pas assez de câble hein, pour enrouler autour de la caméra, donc il se peut que tu vois le câble. Après, bon, c'est de la logistique, hein, faudra acheter une rallonge et puis faudra mettre dessus. Mais ça permet de mettre la caméra super loin, de se mettre un peu en mode selfie, de faire le guide pour les touristes chinois. Oui, donc voilà. Et d'avoir un micro qui est plutôt bien et tout. Parce que là, il est vraiment directif. Alors, c'est vrai que ça, pour moi, c'est pas une solution. Parce que pour mettre dans le casque et tout, pour faire les vlogs, si je mets par exemple, tu vois, la caméra ici, remarque même si je la mets à l'envers, parce que du coup, il y a un 360. Je la mets ici, le truc, il est dans le casque. Par exemple, si je le mets là sur le côté, comme ça, le micro, bon, à mon avis, le son doit être bien. Il ne doit pas y avoir trop d'effet pop, puisque voilà, à partir du moment où moi je m'entends. C'est que le son arrive à tourner un petit peu et tout. Donc ça peut être vraiment une solution pratique. Le micro, c'est le moins cher que tu peux trouver sur internet. C'est pas d'une qualité incroyable, mais voilà. Je sais plus combien ça vaut, mais ça vaut vraiment une misère. Et ça fait extrêmement bien le taf. Voilà. Okay, that's all microphone I have, so you can see how many. Let me know in comment which microphone you will prefer for your use, because you can choose for each using the microphone can be the better one for you. Write me in comment which one is better one. Tell me what about the price of the adapter for less than $20. And don't forget to leave a comment, subscribe to channel, put a finger, and see you next week. Bye bye.